Cyrano n'est pas là. Je m'étonne. Pourquoi? Mon Fleury joue. En effet, cette tonne va nous jouer ce soir le rôle de pédant. Qu'importe à Cyrano. Mais vous ignorez donc. Il fut, messieurs, à Montfleury, qu'il put en haine, défense pour un mois de reparaître en scène. Eh bien, Montfleury joue. Il n'y peut rien. Oh, oh, moi je suis venu voir. Quel est ce Cyrano? C'est un garçon versé dans les colichemardes. Noble? Suffisamment, il est cadet aux gardes. Mais son ami Lebray peut vous dire... Lebray! Oh. Commissaire Cébergerac? Ah oui, je suis inquiet. N'est-ce pas que cet homme est des moins ordinaires? Ah, c'est le plus exquis des êtres sublunaires. Rimeur. Bretteur, physicien. Musicien. Hé, hey, quel aspect hétéroclite que le sien. Il promène en sa fraise à la Pulcinella. Un nez. Ah, oh, mes seigneurs, quel nez que ce nez-là. On ne peut voir passer un pareil nazigère sans s'écrier... Oh non, vraiment, il exagère. Puis ils ont souri, on dit... Il va l'enlever. Mais, monsieur de Bergerac... Ne l'enlève jamais. Il ne viendra pas. Si, je parie un poulet. À la Raguenau. Soit. Ah, oh, messieurs, mes allées épouvantablement ravissantes. Une pêche qui sourirait avec une fraise, et si fraîche qu'on pourrait, l'approchant, prendre un rhume de cœur. C'est elle. C'est elle. Oui. Dites vite, j'ai peur. Madeleine Robin, dite Roxane. Fine, précieuse. Hélas. Libre, orpheline, cousine de Cyrano, dont on parlait. Cet homme... Comte de Guiche. Épris d'elle. Marié à la nièce d'Armand de Richelieu. Désire faire marier Roxane avec certains tristes sires, hein. Monsieur de Malvers, vicomte et complaisant. Elle n'y souscrit pas, mais de Guiche est puissant. Il peut persécuter une simple bourgeoise. D'ailleurs, j'ai dévoilé sa manœuvre sournoise dans une chanson qui... Il doit m'en vouloir. La fin était méchante. Écoutez. Non, bonsoir. Vous allez voir monsieur de Valvert. Les gardes, c'est lui qui vous tuera. Restez. Regarde.